Bonsoir et bienvenue à la quatrième séance de l'Université numérique de l'éducation, grâce à laquelle nous opérons une revue systématique des impensés et des composantes du système éducatif que la crise sanitaire permet d'observer avec acuité. À l'interface des laboratoires, des classes et des familles, Saventurie École de la Recherche aborde successivement des questions de première importance pour l'école. On a commencé par l'école à la maison du point de vue des parents, ensuite par le stress chez les jeunes de 3 à 25 ans, et lors de la dernière séance, nous nous sommes attachés aux pratiques numériques des enseignants. Aujourd'hui, nous nous pencherons particulièrement sur le propre de l'éducation formelle, de la maternelle jusqu'au doctorat, à savoir l'évaluation. Aujourd'hui, pour parler d'évaluation, nous accueillons Natacha Duroisin, chercheure et chargée de cours à l'école de formation des enseignants de l'Université de Mons, et membre du conseil d'administration de l'ADME Europe. Ses travaux de recherche portent sur la compréhension du fonctionnement cognitif des apprenants lorsque ceux-ci sont impliqués dans des apprentissages scolaires, notamment en mathématiques, géographie ou sciences. Natacha a notamment participé au numéro spécial du Journal international de recherche en éducation et formation, intitulé « Évaluer en temps de pandémie », donc publié par l'ADME, qui est à l'origine, qui a suscité notre intérêt pour faire une séance spéciale sur l'évaluation lors de cette université numérique. Alors, qu'est-ce que l'évaluation? Une représentation commune dit, voilà, une leçon, des exercices, une évaluation et une note. Et on recommence. Bien sûr, des dictionnaires de pédagogie pourraient classer l'évaluation en fonction de sa finalité, formative, certificative, classifiante, de sa forme, une auto-évaluation, un QCM, etc. Mais en fait, pourquoi on évalue? On espère qu'à travers l'évaluation, tout éducateur et tout apprenant espère vraiment qu'à travers les actes de diagnostic, de formation, de mesure, de classification, de certification, on espère pouvoir récolter des données nécessaires pour organiser les apprentissages, approcher la valeur de ces apprentissages et leur effectivité de manière objective, juste, voire scientifique. Ainsi, l'évaluation ne serait pas simplement une technique, mais aurait également des vertus démocratiques, parce qu'elle participerait, elle serait la garante d'une éducation éloignée de l'arbitraire et de la subjectivité. Les élèves, bah, comme les citoyens plus tard, ils sont égaux devant la loi de l'évaluation. Mais de manière autrement plus ambitieuse pour nous autres éducateurs, les données de l'évaluation seraient le truchement grâce auquel on accéderait à la part d'inobservable propre à toute activité d'apprentissage. Nous rentrerons dans la fameuse boîte noire de la classe et du cerveau de chacun. À cette aune-là, nous sommes en droit de nous interroger sur les mérites et les risques de l'évaluation. Devrait-on avoir peur d'évaluer, ou plutôt encenser l'évaluation comme cette garante de la justice du système scolaire? Comment on peut interroger les pratiques et les principes évaluatifs à l'aune de la véritable exigence de tout éducateur, de ce qui le taraude, de ce qui le fait qu'on se lève le matin? Comment je peux évaluer pour que les élèves apprennent? Est-ce que je peux utiliser l'évaluation comme axe structurant d'une séquence pédagogique? L'évaluation peut m'aider à comprendre comment les enfants apprennent, pas simplement à savoir la quantité de leur apprentissage? Elle peut m'aider à rendre clair et partager avec les élèves les intentions des apprentissages, les critères de réussite? On peut aussi dire avec John Hattie, pour être efficace, le retour d'information doit susciter la réflexion. Et qu'est-ce que c'est l'évaluation? Autre chose qu'un retour d'information de la part de l'enseignant vis-à-vis de son élève. Qu'apprennent-ils? Classe et apprentissage sont réputés être une boîte noire. En quoi, aujourd'hui, cette pandémie et les différentes expérimentations, les limites que les enseignants ont vues, les familles, les élèves, les injonctions contradictoires, nous permettent de rentrer dans cette boîte noire autrement et avoir un éclairage utile pour la rentrée? À toi, Natacha. Merci.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, merci déjà aux organisateurs pour leur invitation qui me permet d'aborder donc avec vous l'épineuse question de l'évaluation en contexte pandémique, formidablement introduite d'ailleurs par Ange, merci. Alors, je dis épineuse car si l'évaluation fait déjà couler beaucoup d'encre en contexte habituel, celle-ci a été et est toujours d'ailleurs sujette à bon nombre de discussions et controverses depuis justement le début de cette crise. Alors, pour expliquer un petit peu plus les choses, pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose un webinaire en trois parties. Une première partie en guise d'introduction. Une deuxième partie qui porte véritablement sur les pratiques évaluatives durant le confinement, où je vous prépare de certains constats. Et puis une troisième partie qui vous permettra de repenser ou de penser l'évaluation dès la rentrée. Alors, comme je vous le disais, épineuse question, hein, qu'est l'évaluation. Et sachez qu'il y a bon nombre d'autres discussions, hein, entre scientifiques cette fois, beaucoup moins visibles dans la presse, qui portent sur les types et les fonctions de l'évaluation. Alors donc, en guise d'introduction, je vais me permettre de rappeler à chacun, à chacune, bien, les types d'évaluation que l'on retrouve. Et donc, l'objectif de cela, c'est qu'on ait un vocabulaire commun pour pouvoir échanger. Alors, le premier type d'évaluation que j'ai repris, puisque vous voyez qu'apparaissent différents types d'évaluation, elles ne sont pas toutes présentées ici. On parlerait aussi d'évaluation formatrice, on parlerait aussi d'évaluation pronostique. Bon, là, pour les 45, moins de 45 minutes que j'ai à ma disposition, j'ai décidé de vous présenter quatre grands types d'évaluation, à savoir une évaluation diagnostique et quelque part purement diagnostique, donc avec une visée diagnostique, une visée plus prospective, donc qui porte sur qui a une fonction de prévention et donc qui est menée avant apprentissage. L'objectif de ce type d'évaluation, c'est en pratique d'effectuer un examen approfondi des difficultés et des troubles d'apprentissage en vue de justement.